Sorti en 1992 sur Amiga, Agony est un shoot'em up qui se distingue d'emblée par une réalisation de haute volée, ainsi que par la créature que l'on incarne, une splendide et puissante chouette. Cette dernière fait directement référence au célèbre logo de l'éditeur anglais Psygnosis, qui édite donc le jeu. Prenant place au sein d'un univers heroic fantasy soigné, ce voyage haut en couleurs jure fortement dans un genre où les vaisseaux spatiaux et autres empires intergalactiques sont rois. Alors qu'il vit les derniers jours de son existence, le sorcier Acanthropsis découvre le pouvoir cosmique et l'enseigne à ses deux disciples, Alestes et Mentor. Après sa mort, Acanthropsis apparaît à Alestes sous la forme d'un esprit et lui demande de contrer Mentor, celui-ci ayant décidé de plonger le monde dans le chaos. C'est ainsi qu'Alestes se transforme en une chouette guerrière pour terrasser les créatures maléfiques faisant régner la terreur sur Terre et tenter de mettre hors d'état de nuire leur maître. Étalé sur 3 disquettes, le périple proposé par Agony est concocté par le studio belge Art & Magic, qui avait déjà réalisé le magnifique Unreal sur Amiga 2 ans auparavant sous la bannière Ordilogic Systems. Très classique dans sa construction et optant pour un défilement horizontal, le shoot d'Art & Magic affiche des environnements relativement champêtres. Les 6 stages auxquels le joueur est invité ne proposent pas de grandes surprises en termes d'action, et l'on se contente de canarder tout ce qui bouge en attendant de rencontrer le boss de fin de niveau. C'est un fait, le level design d'Agony ne surprend jamais et s'évertue à répéter les mêmes mécaniques jusqu'au dénouement final. Bien sûr, quelques bonus et pouvoirs magiques viennent agrémenter le parcours, mais l'ensemble est d'un classicisme total. La faute à un temps de gestation assez court et la disponibilité limitée d'un des développeurs qui effectuait alors son service militaire. Le gameplay d'Agony n'est pas mauvais, mais peut-être un peu trop prévisible pour captiver les joueurs les plus exigeants. En revanche, le challenge est bel et bien présent. Si les 2 premiers niveaux ne posent pas réellement de difficultés, les 4 suivants sont assez ardus à nettoyer tant l'écran se retrouve par moments submergé par les sbires de Mentor. Le design de ces différentes créatures n'est pas franchement très inspiré, mais elles jouent bien leur rôle, c'est-à-dire mettre des bâtons dans les plumes d'Alestes. Le niveau de difficulté atteint parfois de tels sommets que pour réaliser cette émission, il a fallu avoir recours à un cheat code allouant des vies infinies. Il faut également indiquer que la profusion d'ennemis lors des passages les plus retors engendre des ralentissements et des clignotements de sprites, détériorant grandement la visibilité de l'ensemble. Si Agony a malgré tout marqué les possesseurs d'Amiga, c'est grâce à sa réalisation et sa direction artistique soignée. Ce qui saute aux yeux au premier abord est l'animation extrêmement détaillée de la chouette, et c'est un vrai bonheur de la voir battre des ailes. Les graphismes, signés Frank Sauer et Marc Albinet, sont d'une finesse impressionnante et sont correctement exploités à travers les 3 plans différentiels qu'affiche l'écran. Des plans qui ne sont pas avares en animation et effets en tout genre, à l'image de l'impressionnante mer déchaînée du premier stage. Et afin de donner l'impression que le dégradé composant le plan du fond possède plus de couleurs qu'il n'est possible d'en afficher sur Amiga, la technique dite de palette swapping a été employée, ce qui occasionne d'ailleurs un effet de scintillement qui est ici renforcé par la capture vidéo du jeu. Yves Grollet, qui s'est chargé de la programmation, a su en tout cas tirer le meilleur de l'Amiga et faire d'Agony l'un des jeux vitrines du hardware de Commodore. Impensable de ne pas évoquer également les illustrations précédant chaque stage. Dessinées par Frank Sauer, elles contribuent fortement à imposer une atmosphère unique. C'est sur ce point aussi qu'Agony a su se faire une place de choix dans la ludothèque Amiga. On ne lâche pas le jeu pour découvrir les graphismes et la musique du niveau suivant. Composé par Tim Wright et Gerentel, du groupe Maniac of Noise, la bande-son est marquante à plus d'un titre. Oppressante durant l'action et plus posée lorsqu'elle accompagne les illustrations faisant le trait d'union entre 2 stages, elle contribue fortement à l'expérience globale. Pour l'anecdote, la mélodie au piano entendue sur l'écran titre, très populaire au sein de la communauté Amiga, a été composée par Tim Wright mais modifiée ensuite chez Art & Magic sur la demande de Frank Sauer. Les samples originaux ont été jugés de piètre qualité et un changement de fréquence d'échantillonnage a été réalisé. Une opération qui nécessita de passer à 1 octave en dessous de la version originale afin que toutes les notes soient conservées. Une modification qui ne fut pas du goût de Tim Wright. Il n'empêche que ce morceau a su garder sa magnificence malgré son grand âge. S'il n'égale pas les classiques du shoot'em up sur Amiga comme X-Out ou Project X, Agony reste toujours agréable à jouer, surtout grâce à sa réalisation d'exception. A noter qu'après ce titre, Art & Magic s'est aventuré dans les salles d'arcade avec Ultimate Tennis en 1993, puis Stone Ball et Western en 1994. Sous leur nouveau label Appeal, l'équipe conçoit Outcast sur PC en 1999, un jeu d'action-aventure qui connaîtra un immense succès. Mais Appeal met la clé sous la porte en 2001, en plein milieu du développement houleux d'un Outcast 2 qui ne verra jamais le jour. En avril 2014, Yves Grollet, Yann Robert et Frank Sauer lancent une campagne Kickstarter visant à faire renaître Outcast dans une version HD, une opération qui s'est hélas soldée par un échec.
En attendant un éventuel retour de ce projet, pourquoi ne pas se payer une nouvelle virée avec la chouette la plus planante de la galaxie jeux vidéo ?